Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est Click and Fit? Si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement une box où dedans une personne choisit des vêtements en fonction de ce que vous avez donc signifié sur le site. Et donc ça peut être des accessoires, c'est pas spécialement que des vêtements, ça peut être un sac à main, si vous voulez un sac à main pour la prochaine box, etc. Ou des chaussures. En tout cas, j'ai hâte de découvrir parce que la première box, j'étais pas déçue du tout, hein. Donc on va commencer tout de suite. Donc dedans, vous avez ceci, hein. Donc vous avez la facture que je ne me spoil pas. Vous avez donc le bon de retour avec le sachet. Sachant que, on va dire, là, vous avez payé juste les frais de stylisme, 4,90 €. Si vous avez donc 5 articles, hein, de toute façon, dans chaque box, vous avez 5 articles. Vous prenez au minimum un article, ils vous déduisent les 4,90 €. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, là, à savoir si j'ai. Je pense pas que j'ai des soldes dedans. Je crois pas. En tout cas, on va voir la box. J'ai hâte, hâte, hâte. Donc, dedans, vous avez. Et au pire, je voulais finir aussi. Si vous prenez aucun des articles, bon, vous perdez 4,90 €, mais c'est vraiment. Voilà, quoi. C'est rien. Hein. Donc, après, vous avez dans le carton, une petite enveloppe avec un papier où vous pouvez parrainer. Vous gagnez 10 euros à chaque parrainage. Et ensuite, vous avez une petite carte. Donc, je vais voir juste le nom parce que vous avez des petites plaquettes avec des vêtements. Donc, moi, je vais pas me spoiler, hein. Mais je voudrais juste voir le petit mot qu'on m'a mis parce que c'est ma deuxième box et je voulais savoir si c'était la même personne ou une autre personne. Et ce sera la même personne, donc Nefertiti, qui me fait ma deuxième box et qui m'avait fait donc la première. Donc, on va commencer tout de suite. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Alors. On commence par oh, un joli petit haut comme ceci. Alors, je ne sais pas si on va bien voir la couleur. C'est un bleu marine avec des petits. Je ne sais pas si on va bien voir. Des petits traits dorés. Donc, franchement, bon, c'est un t-shirt basique. Hein, un col V. C'est de la marque Pièce. Donc, c'est vraiment. Plus basique, voilà. Plus basique, tu meurs. Bon, on va tester, on va voir ce que ça vaut. Bon, me revoilou. J'ai changé d'encadrement pour que vous voyez bien, voilà, le t-shirt. Vous voyez que c'est un bleu marine avec des petits traits dorés. Donc, ça fait ceci. Voilà. Je remonte un peu mon jean, hein. Mais bon, c'est un t-shirt des plus basiques, hein, en fait. Hein. Voilà. Je ne sais pas combien il est, ça va dépendre du prix. Après, je ne suis pas. Voilà. Je trouve vraiment très basique. Donc, en fait, ça m'a pas. Ça me transcende pas, on va dire. Après, vous me direz en commentaire, mais voilà. C'est un t-shirt basique, quoi. Donc, article suivant. Je regardais mon portable. Article suivant. Alors là, c'est une petite une tunique, ouais. Une petite blouse, en fait. Comme ceci, avec des grosses fleurs. Alors ça, c'est pas du tout mon style. Voilà. Je veux dire, c'est pas un truc que j'irai acheter en magasin. Donc c'est de la marque Jacqueline de Jong. Connais pas du tout. Donc c'est avec un col avec des petites vagues. Donc ça peut être sympa. Les manches sont assez larges, hein. Et elles se ferment avec un élastique. Voilà, c'est avec un élastique. Voilà. Et par contre, donc vous devant, vous avez un petit nœud. Voilà, vous pouvez ajuster. Toujours en col V. Donc ça, bon, je pense qu'elle a compris que j'aimais les cols V. Hein. Mais par contre, je trouve que ça fait un peu vieux, non? J'ai pas non plus 50 ans, quoi. Non, mais je sais pas. Les fleurs comme ça, j'aime bien certains vêtements avec des fleurs, mais là, je sais pas. Ouais, j'ai un peu. Là, je flippe un peu quand même. Hein. Allez, on voit ça tout de suite. Bon, on va voir. Ça fait ça. Donc, je sais pas si on va redescendre un petit peu. Voilà. Donc, ouais. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas, j'ai un truc qui. Ah oui, c'est peut-être l'étiquette qui me gêne derrière. Ah non. Ouais, c'est l'étiquette qui me gêne derrière. Non, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, les filles. Là,
Là, pour le coup, bon, c'est pas moche, mais je trouve que c'est fait trop fleur, quoi. Ça, bah, ça, je sais pas. Là, franchement, ce petit haut, après, c'est mignon, hein, le petit haut comme ça. Je sais pas. Oh putain, excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Non, là, j'ai l'impression que ça me boum, ça me, ouais, je sais pas. Là, après, ça peut être sympa avec une petite veste et tout, mais. Ouais, là pour le coup, je sais pas. Dites-moi en commentaire là, parce que pour le coup, après c'est très joli, hein. C'est en haut, ça fait super joli. Après, je trouve que ça fait trop de fleurs et trop de fleurs, ça tue la fleur, quoi. Hein. Là, bah dites-moi en commentaire, hein, parce que là pour moi, je pense pas que je vais valider. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc je vois que c'est du kaki. Et ben c'est un pull, des plus basiques. Hein, vous pouvez voir, comme vous pouvez le constater, c'est un pull de la marque Object et apparemment c'est du coton. C'est en coton, voilà, pour l'environnement, gnagnagna. Donc, bah, c'est un pull tout basique quoi. Donc la couleur, moi j'ai peur que ça me passe hein, quand même. Hein. On va tester, donc il n'y a rien de fifou fifou, mais vraiment, hein, c'est un peu, bon, c'est un pull basique quoi. Là, je suis un peu déçue de la box là. Parce que donc là il y a des petits trous. Je pense que c'est voilà, c'est pour faire un effet. Je sais pas si vous allez voir. Sur le. Ça fait bizarre même. On a l'impression qu'il y a une mite qui est arrivée dans le pull. Ouais, non, je. Rien que déjà là, ça me. Alors, si, il y a des petits trous derrière. Voilà. Moi, bon, je sais pas. Ça me fait peur. Bon, regardez-moi pas la. Regardez-moi pas. C'est bien français, Séverine. Non, regardez pas la coiffure. Hein, parce que alors là, entre enlever des fers, machin, bidule. Bon, ça donne ça. Donc attendez, parce que je vais vous rabaisser un petit peu la caméra. Donc ça fait ça. Donc après, les fringues me vont. Hein. Je veux dire, les fringues me vont. Mais je sais pas, je trouve que c'est basique. Je veux dire, ça, je pourrais aller en boutique en acheter un, quoi. Je veux dire, moi, si je prends la box, là, c'est vraiment pour découvrir des fringues nouveaux. Des trucs que j'aurais pas. Bon, pour le coup, vous allez me dire, ah bah le haut, juste avant, c'est un truc que tu n'aurais pas acheté. Et ça, c'est clair. Par contre, ça, j'avoue. Mais il y a trop de fleurs. Donc, non. Mais là, je trouve que ça me. Boum, pareil, ça me tasse, ça me met pas en valeur. Alors après, peut-être que c'est moi qui ai un problème. Qui a un problème, mais je trouve que ça ne me met pas du tout en valeur, quoi. Donc là, dites-moi en commentaire les filles, parce que là, je suis un peu déçue, quoi. Donc je sais pas ce qui me reste dans le carton, mais là, je suis un peu dégueu. Je suis déçue, déçue, déçue. Bon, allez, on va découvrir l'article suivant. Ouh, qu'est-ce que c'est? Ouh, c'est joli ça. Ah, c'est sympa, c'est un petit blazer. Voilà, donc il y a des épaulettes. Vous avez des petites manches un peu retroussées derrière. C'est super joli, hein. Ah, c'est sympa ça. Donc, est-ce que ça va m'aller? Vous avez une petite poche. Alors, est-ce que c'est décoratif? Ah non, c'est une vraie poche. Ah, bah, ça c'est cool. Bah écoutez, on va tester ça. Hein. C'est de la marque Vero Moda. Ah, Vero Moda. Et Aurélie, de la chaîne Aurélie, elle aime bien cette marque-là. Bah écoutez, on va tester. Alors, c'est un bleu clair. Moi, je trouve que c'est sympa. On va voir ça. Hein. Bon, déjà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, là, il y a un pull en dessous, hein, donc ça fait pas terrible. Disons que les manches, donc c'est des manches trois quarts, on appelle ça. Ah, c'est sympa, hein. Et donc vous avez des petites poches comme ça, donc vous pouvez mettre vos petites mimines. Ah, franchement, sympa, hein. Sympa du tout, franchement bien. Ah, franchement, ça me plaît. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que en plus c'est du bleu, donc j'ai les yeux bleus. Bon là forcément c'est pas avec un t-shirt avec mon pull que j'ai en dessous qu'il faut le mettre, hein, bien sûr. Mais avec un petit t-shirt, y compris le premier t-shirt que j'avais testé. Franchement, ah non, elle est sympa. Hein. Franchement, ah, j'aime beaucoup. Ah ben alors là, je sais pas si. Si vous êtes pareil que moi, mais alors franchement,
cette veste, ce petit blazer, nickel. Franchement, ça me plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais alors là, franchement, la matière est vraiment agréable. Donc, bah écoutez, moi, cette veste-là, je la valide. Enfin! Et j'ai un dernier article. Donc, c'est un pantalon, c'est un jean de la marque Villa. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, c'est un taille haute, ça c'est bah, c'est parfait pour moi. Donc, c'est avec des motifs rayés aussi, un peu comme ma veste bleue que j'ai sur moi là. Donc, voilà, c'est un jean qu'on va tester, qu'on va voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ce pull-là et je vais mettre à la place le t-shirt que j'avais mis au début. Comme ça va peut-être avec le jean et la veste, ça peut faire un petit style sympa. Donc, on va tester tout de suite. Bon, voilà ce que ça donne. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Donc, j'ai mis le fameux t-shirt que j'avais mis au début. Donc là, j'ai mis avec le petit blazer. Donc franchement, ça fait mieux, hein. Je suis moins serrée, moins étriquée. Et le jean, ça fait ça. Franchement, non, franchement, je suis bien dedans. Bon, au niveau de la fermeture, elle monte pas jusqu'en haut. Elle est un peu bloquée. Donc j'ai peur que ça soit encore. Mais je trouve que franchement, il est pas mal, hein. Hein, franchement, là, la tenue, elle fait. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je suis doucement quand même avec mon genou. Mais voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous mettre un peu. Voilà. Dites-moi si vous validez ces trois articles. Parce que j'ai. Moi, je pense que c'est ces trois articles que je vais prendre sur la box. Moi, je trouve que ça. Cet ensemble-là. Mais alors, la veste, j'ai craqué dessus, quoi. Oh, j'espère qu'elle n'est pas trop chère. Parce que là, franchement, pour le coup. Pour le coup, j'adore, j'adore, j'adore. Allez, on va discuter un peu de tout ça. Donc, bah écoutez, au début, j'étais déçue, hein. Je me suis dit, oh punaise, il n'y a rien qui me plaît. Donc, il y a déjà deux articles que je ne vais pas prendre sur le pull kaki et la petite tenue tunique fleurie. C'est pas du tout mon style. Par contre, sur, je prends, enfin, sur, je vais aller voir là tout de suite la feuille. D'ailleurs, je vais la chercher de suite. Alors, roulement de tambour. Donc, qu'est-ce que ça donne? Donc, nous espérons que votre sélection numéro 2 composée par Nefertiti vous plaît. Bon, donc là, apparemment, j'ai eu deux articles soldés à moins 30%. Donc, le blazer que j'ai sur moi, il était à, il est en, à 27,50. Ensuite, vous avez la blouse rubis noir, donc la fameuse blouse fleurie qui elle n'est pas, donc c'est de la nouvelle collection, elle est à 19,99, mais moi ça me botte pas du tout. Le pull kaki, 34,99 €, c'est de la nouvelle collection aussi, mais moi ça me convient pas non plus. Le petit haut que j'ai sur moi là. Eh bien, écoute, 14,50 €, il y a eu moins 25, j'ai dû la parler, moins 25%. Et le dernier article, donc le jean que je vous ai mis en dernier, de la marque Villa, par contre, là, il coûte 50 € et c'est de la nouvelle collection. Donc, en tout, ça fait 146,97 €. Il y a une réduction, si vous prenez les 5 articles, de 20,99 € plus. Les 4,90 € donc des frais de stylisme qui déduit aussi, ce qui vous revient à 121,08 €. Bon. Donc, moi je suis. Bon, déjà le blazer, je vais le garder. Sûr. Le jean, pour moi, c'est trop cher. Il est bien, mais c'est au niveau de la fermeture. Moi, je pense que ça ne va pas le faire parce qu'elle est bloquée. Par contre, nickel, je veux dire, il est magnifique, hein. Mais là, 50 € pour un jean, moi, ça me fait un peu mal aux fesses, hein, je vous avouerai. Donc, je pense que je vais garder le blazer, peut-être éventuellement aussi le haut que j'ai là sur moi, hein, le petit haut comme ça, parce que je trouve que ça va vachement bien ensemble. Dites-moi en commentaire, les filles, hein, si vous trouvez que ça va bien ensemble. Moi, je trouve que oui. Et je pense que ouais, je vais prendre sur le blazer et après, peut-être le t-shirt et ça sera tout. Parce que le reste, non. Franchement, en plus, le pull kaki à quasiment 35 euros,
Alors que c'est un pull, franchement, des plus basiques. Ouais, je pense que je vais faire ça. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé sur les articles que j'ai présentés. Et puis, bah écoutez, hein, n'hésitez pas à aller prendre cette box parce que franchement, ça vaut vachement le coup. Après, bah voilà, c'est qui tout double. Soit ça vous plaît pas. Bon, bah voilà, c'est comme ça. En tout cas, moi, j'adore recevoir cette box. Je pense que je vais la continuer. Donc, vous aurez forcément le mois prochain une troisième box de Click and Fit que je vais vous présenter. Voilà, j'espère sur ce que ça vous aura plu. Mettez des pouces bleus et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Bye!